بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. شيخ سور شيخ فخا، مرحبا بكم. ميرسي d'être fidèle à votre émission avec religieux. Docteur Johri, merci. الله يسلمك، رضي d'être toujours parmi d'être nous parmi pour vous. répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler et poser vos questions. C'est le 00213-21-23-98-91. 00213-21-23-98-91. Ainsi qu'un email. On reçoit toujours vos emails en direct. C'est avireligieux@gmail.com. Avireligieux tout attaché. @gmail.com. En attendant les appels et les emails, nous entamons les emails qui nous sont déjà parvenus par email, Dr. Djouli. Ils sont nombreux, docteur. Et pour la première question, un père de 82 ans a fait une donation à ses enfants en laissant trois de ses enfants sans leur donner. A-t-il le droit de le faire selon la religion et la justice algérienne? L'Algérienne, si on a le droit de remettre en cause devant ici, c'est-à-dire notre question, on a le droit de remettre en cause devant la juridiction la donation, merci. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala. Il y a deux volets dans la question. Tout d'abord, la donation, on a toute la liberté de donner sa richesse à quiconque qu'on veuille. Mais bien sûr avec des limites désignées par la charia pour l'au-delà, le salut de la personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on est demandé, on est invité à faire de l'équité entre nos enfants quand nous partageons nos biens entre ces héritiers-là. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans un propos très célèbre a dit « Ittaqullaha wa'adilu bayna abna'ikum » en le répétant trois fois. « Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et faites de l'équité entre vos enfants. » Bien sûr, il insinuait le partage des biens ou par, bien sûr, donation. Sur le plan juridique, c'est une donation qui est valide. Valide. Mais sur le plan du salut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, il aura, ce père-là, des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il a choisi ce partage-là? Pourquoi il a lésé quelques-uns de ses enfants? Pourquoi il a choisi de donner à quelques-uns, non pas à quelques-uns d'autres? Dans le jargon des fuqaha, on dit تصح قضاء ويؤثم ديانة. ديانة. الله يبارك فيك. C'est ça qu'on insinue. Alors, est-ce que vous pouvez remettre en cause devant la juridiction? Avant d'y répondre, nous avons un appel, docteur Touré. Au bout du fil, nous avons Hajar de Tlemcen. Allô? Bonjour. Bonjour. Alaykoum salam wa rahmatullah. مرحبا بكم في داري. الله يبارك ومرحبا بكم انت تالك عندنا. يسلمك ربي يخليكم. بون نهضر نخلط عربيه وفرنسي. هضري فرنسي سي 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 فوز افي دي بوسيبل. ما فوازين ما بري دو فو دوموندي بور لا جينيفا سي ال بو سبح تسبح. تذكر وتسبح. تذكر وتسبح. وكل يوم كي تجي خارجه من دارها ولا تقرا ايه في الكرسي وهذا هادو سي بوغ لا جنابة بس كان لي مالاد ال بو با سو دوشي تري بيان هذا السؤال الاول بروميير كاستيون دوزيام كاستيون ne pas le faire le matin barque ou la ne peut pas le faire je elle peut pas le se doucher pendant quelque temps parce qu'elle a été opérée. Ah, très bien. Bon, parlez بالتيمم. Très bien. Bon, le deuxième question c'est pour le Eden. Pour l'Aden. L'Aden, oui. L'Aden. L'appel à la prière. Oui, oui, oui. On a l'Aden depuis 40 ans, où l'Aden est en train de qui est en train de faire pour 2 minutes. C'est-à-dire qu'il est en train de faire pour 2 minutes. Il y a 5-6 minutes où il est en train de faire. Il est en train de faire. Je ne peux pas me faire. Je ne peux pas me faire.
نطول كيفاش السبقه؟ اسكو هذه سي زعما سي اوتوريزي مليحه هذه ولا كيفاه؟ فهموني باسكو شويه كلي Dès qu'il commence, elle peut faire la prière. Dès qu'il commence, Adan, oui. Vous n'êtes pas dans l'obligation de l'attendre jusqu'à qu'il... Jusqu'à qu'il finisse. Eh oui. Bon, j'ai une question. Fiha chouïa din ou fiha juridique. Bon, soubrou alia... انا مرا كبيره في عمري 73 سنه وديابيتيك دوبوي 28 عام ندير بلانسولين ورحت عند بنتي ضيفه ديرت اوردونونس ورفدت لانسولين من فارماسي واحده اخرى عمري ما رفدت عليها رفدت عليها خطره ولا زوج هادي شحال كي مدت لي الدواء عطاتني دو بواط كي ماركات لي في لاكارت ماركات لي 3 كي جيت هنايا لبلادي ولايه المسان كي داروا لا كارت باش يعطوني الدوايا الاخر صابونها مدت لي 3 بوغ 60 جور سكي في اما بريسك دوبلي لا دوز خاطر بدلت لي لوردونونس هي البروبليم هذه لوردونونس سكي في دروك انا غادي نولي في لا ليست نوار خاطر هذيك 3 بواط في 2 موا بزاف عليا ما عرفتش دروك كيفاش ندير معاها اسكو نشتكي بيها جو ني با دو بروف La preuve, l'icaïna, il y a la carte. La carte, c'est le micro. Mais qu'est-ce qu'on a à vous répondre, nous là, le problème par rapport à... Un petit mot, معليش, une petite question. Elle a dit par erreur, c'est ça? Là, mais elle a par erreur. Et pourquoi la troisième boîte? Tu as dit la troisième boîte? Même dit qu'elle est date. Ah, d'accord. Ah, d'accord, c'est une fraude. Alors, vous avez tout le droit, vous avez tout le droit de la poursuivre, on va dire. D'accord. Non, 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 خلاص. Il est quand par erreur, l'erreur est humaine. Voilà. Et qu'il est quand par fraude. Donc elle continue à le faire. Elle va continuer à le faire avec d'autres patients. Ça veut dire que cette personne est frauduleuse et il faut que quelqu'un lui mette terme, voilà, à ces comportements-là. Inadmissible. La boîte, elle coûte 800 000, 8 000 dinars. Hadi serqa, madame. Voilà. D'une façon ou d'une autre, c'est une fraude. Bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. الله يبارك فيك شكرا ام هاجر الله يبارك فيك مرحبا بك مرحبا دونك اون فا تيرمينا افيك لا بروميير كيسيون باس بريتنا غير حاجه فوالا ريميتر ان كوز دوفون لا جوريديكسيون بس دوناجون بيان سور كو سي بيرمي مي ابريز افوار بروفي بوتيتر كو Ce père-là a été Ce n'est pas si évident, parce que c'est une donation. Non, non, mais elle est valide. Elle est valide, d'accord. Mais peut-être qu'il a été influencé, influé par, je ne sais pas quoi, peut-être il a perdu ses facultés mentales. On va prouver cela par le biais d'un médecin. Voilà, et peut-être que ce n'est pas le cas. Sinon, c'est ça, sinon, si vous ne pouvez pas... si vous ne pouvez pas justifier cette remise en cause, là, la donation restera toujours valide. Pour Oum Hajar, docteur. Pour Oum Hajar, concernant la Janaba, il y a à peu près deux ou trois choses qui sont interdites à une personne musulmane en état de Janaba, c'est-à-dire de perte de grandes ablutions. Il y a bien sûr le mushaf, le mushaf,
c'est-à-dire prendre le livre, le Saint-Coran entre ses mains, Le etc., toucher. le toucher Le toucher. et réciter, voilà, bien sûr. Mais réciter sans toucher le mushaf, c'est permis. Oui. Puis il y a aussi entrer dans une mosquée aussi, sauf, bien sûr, après avoir fait ses ablutions. C'est-à-dire on fait les ablutions sèches pour y rentrer à la mosquée, et puis on fait nos ablutions sèches, tayammum, pour exercer Il n'y a pas la prière. qu'elle fait des évocations, des Non, non, tasbih, des à évocations, partir des de sa mémoire. invocations, des récitations de Coran de sa mémoire, tout ça Est permis. est permis. Voilà. Très bien. Voilà. Et La première question, la deuxième question, ça concerne. J'ai oublié. Elle a posé la question concernant les évocations ou le tenaba. Oui? Et deuxième question, c'est ce qu'on a répondu déjà. Peut-être, je ne sais pas, c'est par rapport à. Mais sinon, elle nous rappelle notre sœur. Voilà, au Jalla On a trois. man Malik, nous, là, on va y revenir. Nous avons Inch'Allah. Madame Malika d'Alger. Ah, Aden. Ah, Aden. voilà. Pour L'adhan, vous avez Aden. répondu. Du moment que le A mu'adhan commencé. a fait l'appel à la prière, ça veut dire que Très le lourd. temps de la prière est déjà entamé. Ça veut dire que vous pouvez directement Ah, faire c'est un faux votre problème, prière. ça, c'est un faux problème. Voilà. Pour 3 minutes, Adam, on ne peut pas attendre trois Mais minutes là. quand même, Oui. chacun ses conditions. Peut-être il y a quelqu'un qui est pressé pour sortir pour aller travailler ou là. Du moment que l'appel de la prière a commencé, ça veut dire que le temps est venu. Non, là tu peux faire la prière en même temps. Je ne peux pas être le Ah, d'accord. Là, fléqara. c'est un autre détail. Là, c'est un Non, autre c'est un autre détail. détail. Il faut Ouais, attendre, c'est très tout. Il ne bien. faut pas exagérer un peu. Ouais, ouais, ouais. Madame Malika d'Alger, toujours avec nous. Allô? Allô? Allô, oui. Salam alaikum. Salam Alaikum Ahmadullah. salam wa rahmatullah. الأخ أستاذ حبيت نسقسيك أنا عندي بابا الله يرحمه 40 سنة ملي مات الله يرحمه السلام وحنايا القبايل تاع بني عمران قبايل ما يورثوش البنات ما يدوش البنات الورث تاعهم Non, faut pas هي généraliser, il faut pas généraliser, sans citer لما تهضري قال لا لا عادة 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 هذه عادة ايوه فيها مام فتوى يعني قديمة هاني تايتك اسمح لي ما يدوش البنات هي 40 سنه قسموا الاولاد بيناتهم كي دوموندي انا حقي ما عنديش خاطر حنا محافظين يزوجوا في الدشره وهذيك هيا كي قلت لهم معطوني حقي خالتي عادوني واحد مات الله يرحمه قعدوا زوج عادوني قاطعوني خاطر خواتاتي ما حبوش يدو نهار قالوا لي تدي انت حنا ندو حقنا تدو ندي ما تدوش ما نديش هيا كي بعد 42 سنة باش عطاولنا شوية شوية خلى بابا ديزيكتا عم داوهم غير الولاد هيا نهار بديت نواسي أنايا برك عادوني قال لك هي مالكة هي اللي مورانا وهي اللي دات وهي هيا مادام انت دومونديتي على حقك قاطعوني ما يكلموني ما نروح ليهم نسلم عليهم ولا يبعدوا عليا يشوفوني يتخباو ما يحبوش يهضروا معايا قاطعوني قطعا تقول درت حاجه ماشي مليحه ولا ما على باليش درك تيك انايا الفتوى هادي ربي يهديهم ان شاء وهما الله بناتهم قاع يديو فوالا بناتهم قال لك احنا بناتنا ندو فوالا هي اللي تاع بابك ما سبحان الله تديش سبحان الله حتى من بنات خويا من ولاد خويا داو يهضروا على حق باباهم يقولوا بابانا وحنا اللي تاع بابانا قال لك انتوما ما تدوش نهار ديت دو بوا دو كامل ميزور الموت فيا باللي انا اللي حبيت ندي وهما كامل داو من بعد خواتاتي داو ودركا تيك انا اللي مقاطعيني انا اللي معاديني انا اللي ما يكلمونيش ابدا بارك الله فيك وفيك بارك الله يوفقك مرحبا الصحه بك انا يعطيكم ميرسي بشوف افون انا toujours je donne le conseil sur ce cousin il faut entamer des procédures judiciaires il faut que ça cesse et juridique. je sais pas ils ont vendu avec quel acte normalement le notaire doit demander le freda Oui, comment normalement. ça ou chef des cas
Non, je lance un appel, C'est ça. je lance un appel ou la demande. Chef des cas, oui, biro, qui fait biro, comment ils ont vendu, le Cher maître, notaire. Non, il faut cher maître, mettre en vous place savez les que mécanismes peut-être, qui interdisent ou très les bien, qui. c'est à l'État Normalement. de résoudre ce Il problème-là. faut, de, il faut le demander en head notaire l'acte. Vous savez, le waqa, voilà, ce qui est réel, appartenant à tout ce qui est immobilier en Algérie, peut-être la moitié est vendue sans papier valable. Ce qu'on appelle juste un papier timbré, etc. Et puis après Et certains voilà. moments, on fait des réformes, on légalise, etc. On règle les Et on problèmes. règle les problèmes par une fuite vers l'avant, on va dire. Voilà. Voilà. Et, C'est mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam, sallam. dans le hadith, il a al-hiqul fara'ida Voilà. bi-ahliha. Moi, j'allais parler juste 2 minutes. Je vais vous Très prendre deux bien. minutes, cher maître. C'est vrai, bon, dans une certaine région en Algérie, pour des raisons historiques, il y a à peu près 2 à 3 siècles, il y avait une fatwa émise par un ensemble Ah, de très bien. jurisconsultes. C'était une fatwa, on va dire, entre D'une parenthèses, institution. politique. Ça, c'est. Et c'est une institution qui s'est réunie et qui a émis une certaine fatwa pour épargner les filles de l'héritage ce qui concerne les terres, mais les dédommager par d'autres moyens, par choura, comme on appelle choura, quand la femme va se marier, ses parents doivent lui donner de l'or, de l'argent, etc., etc. Et ils font en sorte de lui rembourser ce qu'elle n'a pas reçu comme héritage par rapport aux terres. C'était une fatwa pour cette époque-là. Elle ne reste plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les circonstances ont changé. Les circonstances politiques, sociales, etc., ont changé après 2 ou 3 siècles. C'était pendant l'époque turque. Cette époque-là, et c'était, c'est-à-dire les habitants de cette région-là craignaient l'intrusion des Turcs par le biais du mariage pour s'accaparer des terres, etc., etc. C'était justifié par cela. Mais aujourd'hui, il faut que cette fatwa-là disparaisse Mais parce que les circonstances ont changé. le fatwa, le monsieur, Oui. par cette fatwa, menaa sa Voilà. sœur, Mais pour mais sa sa fille, fille, non, elle n'est pas voilà, deux valable la poids, deux fatwa. mesures. Voilà. Bintou dit. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Yusikumullahu fi awladikum lidh-dhakari mithlu hadhi l'unthayayn. C'est-à-dire qu'il a donné des parts, bien sûr, à vos enfants, qu'ils soient masculins ou qu'ils soient féminins. On essaye, bien sûr, d'informer les gens, de les éclairer dans ce domaine-là. C'est un travail de longue haleine. Et vu, bien sûr, l'attachement à la terre, l'attachement peut-être à l'argent au sein des cœurs de beaucoup de gens, c'est difficile de leur changer ces idées-là. Mais quelqu'un qui est lisé dans ses droits, comme a dit notre maître, il faut qu'il s'engage à faire une procédure judiciaire pour avoir son droit. Voilà. Il est temps Sinon, de mettre. avec les méthodes anciennes, vous n'allez rien résoudre. Mais Avec les ça méthodes, continue. ça va continuer. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a la loi. Il y a le code de la famille qui gère ce domaine-là, avec bien sûr l'aide de l'application de la part des notaires. On arrivera bien sûr à résoudre beaucoup de problèmes. Et puis, les relations familiales. Allah ghalib, celui qui tient à une fraternité, il va tenir à cette fraternité-là, bien sûr, dans toutes les circonstances. Mais celui qui place le matériel plus haut
plus important que les liens familiaux, bien sûr, il va rompre ses relations de parenté, parce que chez lui, les relations de parenté, C'est son échelle de valeur. voilà, non, non, le matériel est son échelle de valeur. Non, non, Ouais. la valeur Et matérielle est la l'autre, plus haute. la plus haute, normalement, C'est ce sont son les échelle. relations. Ouais. Voilà, chacun Voilà. son échelle. Très bien. Ouais. Est-ce que nous avons au bout du fil un téléphone? Médéa, Monsieur Alam. l'Arbi, allô? Alam. Ah, là, Sidi. Ah, oui, Alam. Oui. أنا أسمع فيك، ألو، السلام عليكم. مرحبا. السلام. السلام. شوف يا خويا الله يسديك، أنا يا الحصة هذه وأنا راني دخلت نشوف التلفزيون، راني شفتكم، بقيت نقول لكم واحد المشكل في مديرية الصحة تاع ولاية مدية. il faut pas. Non, ce n'est pas le. اسمح لي. Non, non, ce n'est pas le. هذا حصة مش خاصة. Ah, d'accord. Ah, il faut aller là où. C'est les Docteur élèves qu'on Djouhri, fatoie. c'est pas toi, Ah. je m'a dit. Oui. Une autre question, j'ai un petit souci, je viens vers vous pour me l'éclaircir, Inch'Allah. Donc voilà, je me présente, je suis une femme mariée, j'ai 3 enfants. J'habitais le centre-ville en étant célibataire. Une fois mariée, je vis dans une autre wilaya de l'extrême-est et de plus dans un village que je n'arrive pas à y rester. Je ne suis pas heureuse aussi. Oui. Mon mari et moi avions eu une discussion et pris la décision de déménager au centre et me promettant de le faire très bientôt. Et là, il a changé d'avis, il dit que je reste ici, que tu le veuilles ou non, sinon tu pars chez toi. Mais mon père m'a directement dit, tu veux revenir seule, pas avec tes enfants. Wallah, je suis très malheureuse, je ne veux pas vivre. Ça Même veut dire. rester ici, car ni côté éducation des enfants, ni côté tradition, je n'ai pas où aller. S'il vous plaît, cher Mashaïrna, respectueux, aidez-moi. J'attends votre réponse qui m'apaisera le cœur et surtout pour trouver une solution. Inch'Allah, c'est-à-dire C'est un vrai dilemme. c'est un vrai dilemme, et C'est un puis vrai elle dilemme. est entre le marteau et l'enclume, on va dire. C'est-à-dire entre un mari qui n'arrive pas à la comprendre ou qui n'essaye pas de la comprendre et de comprendre Cherche pas à la ses soucis, comprendre. il cherche pas peut-être le bien-être de son foyer. Il n'a Et pas tenu sa promesse. voilà, et un père, bien sûr, qui ne veut pas prendre en charge sur son dos sa fille et ses enfants après le divorce. Vous n'avez qu'à patienter, ma sœur, hein. C'est patience, patience, patience. C'est le médicament qu'il faut. 3 fois par jour, 5 fois par jour, 10 fois par jour. C'est la clé aussi. Et c'est la clé, inshallah. Avec, bien sûr, la discussion. Et de la discussion, inshallah, va jaillir la lumière. Invoquez-la, Et invoquez-la, puis invoquez-la, invoquer Allah, Azza wa Jal, et Rabbi invoquez-la. subhanahu wa ta'ala, qu'il change votre situation et qu'il change aussi le cœur de votre mari pour prendre la décision qui vous. Parce qu'on ne peut pas vous dire prenez telle ou telle décision. Voilà. Et puis, Ça, là... après 3 enfants, voilà, il faut parfois, comme dit un de nos grands maîtres, il faut vivre en martyr parfois. Il faut vivre en martyr, c'est-à-dire tdahi wa ka'annak shahid. Et parfois pour son foyer, pour ses enfants, pour le bien-être de son foyer, on est demandé à faire des concessions, on est demandé à faire C'est-à-dire des il faut assumer. sacrifices. Et il Il faut faut assumer, assumer. mais à ce mari-là aussi Inch'Allah, avec le de temps. réfléchir Zaman et douze essayer, voilà, essayer de changer d'avis. Parce Le que temps. vivre avec une femme malheureuse, ça veut dire que ça vous affectera un jour. Quelqu'un qui est malheureux ne peut jamais vous rendre heureux. Voilà. Docteur Johannes, nous avons bout du fil, Ça se répercute. Madame Anita de France. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, 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 monsieur. Bonjour, madame. Voilà, je vous appelle de France. Oui. Je suis une femme de 53 ans. Je suis veuve. J'étais mariée de mon premier mariage. J'ai eu 5 enfants.
J'ai perdu deux filles, la Hamouan, pendant mon séjour en Algérie. Ils ont eu un accident, ils ont été percutés par un bus, par un car, par vent. Qu'Allah vous console et vous prête patience. La petite, elle avait 16 ans, et Sarah, elle avait 19 ans. Et le chauffeur, enfin le conducteur, c'était mon gendre. Il avait 31 ans. Lui et aussi a trouvé en ce moment-là, où il y a eu l'accident, j'étais avec ma fille l'aînée, que son mari qui était avec mes deux filles. Donc, ils sont partis. Ils ont pris la route le matin, ils sont partis, il y a eu l'accident entre Khmis Meliana, je pense. Donc du coup, il y a eu trois décès. Trois décès. Donc ça, c'est un sujet, c'est compliqué. Ça s'est passé en 2010, juste deux semaines avant le mois de Ramadan. Le conducteur, le chauffeur du camion, on lui a retiré son permis, mais au bout d'une semaine, on lui a rendu son permis. Et il m'a... Je lui ai parlé parce que j'avais trop de peine. Il voulait même pas me regarder dans les yeux. Après des mois et des mois, on était en justice. Et à chaque fois, c'est lui qui gagne l'audience. Mais j'ai appris qu'il donnait... Voilà, je vais pas vous dire... Corruption. Voilà. Donc j'ai appris ça. Et finalement, donc, du coup, moi, je veux pas de l'argent, je veux rien du tout. Je voulais que la justice fasse son travail. Oui. Mais ils n'ont pas fait mon travail. Moi, mes filles, elles sont décédées. Je ne les ai même pas vues. Elles étaient dans un cercueil fermé. Je voulais tellement les prendre dans mes bras, les serrer contre moi pour la dernière fois. Mais ils ont refusé. J'arrive pas depuis que j'ai perdu mes enfants. Je suis malade, j'arrive pas à dormir, je mange pas, je suis suivie par un psy. Je prends des médicaments, mais c'est des médicaments, c'est juste, c'est des calmants, c'est tout. Madame, s'il vous plaît, madame, on a bien compris votre situation, mais votre question, c'est quoi par rapport à cette situation-là? Je voulais déjà ça, c'est la première question, je voulais savoir comment ça se passe, la justice en Algérie. Comment ça se passe la justice en Algérie? Je veux. Oui. D'accord. Merci. Comment ça se passe? Bon. Allah irham d'abord. C'est pas facile. Inch'Allah, ils seront parmi les martyrs de la communauté du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Celui qui est mort dans un accident, dans un tremblement de terre, noyé, brûlé, etc. Ce sont parmi les martyrs. Ils ont le statut d'un martyr auprès d'Allah. Inch'Allah. Auprès d'Allah Azza wa Jal, ils ont le statut du martyr. Et puis nous partageons votre peine. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous consoler, madame. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu les circonstances dans lesquelles sont morts vos proches, vos filles et votre gendre, puis ce qui est passé après par rapport à la justice, ça veut dire que vous n'avez
pas encore fait le deuil. C'est ça. Et c'est très important psychologiquement pour tourner la page. Parce que cette mère-là, elle est C'est-à-dire elle a touchée au plus trop profond d'elle-même. refoulé, Elle c'est-à-dire. a, bien sûr, parce qu'elle elle n'a pas eu gain de cause par rapport à la justice. Elle n'attend rien de ce qu'elle parle. Elle n'attend pas de l'argent, du dédommage, etc. Seulement Que la justice que la justice soit faite, soit faite, on c'est va tout. dire. Et puis, voilà, c'est un appel à tout le monde d'être correct, d'être sadiqine, Véridique. d'être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec soi-même, et de ne pas D'être chercher, honnête. et d'être honnête, et de ne pas chercher mille parcours. Lorsqu'il s'agit l'âme, arwah. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, si vous êtes fautif dans une situation et que vous êtes poursuivi en justice, pourquoi chercher toujours à s'échapper du verdict, on va dire, et avec des moyens qui ne sont jamais propres? Oui, ça existe partout dans le monde, hein. Ça existe partout. Ce n'est pas qu'en Algérie Pas ou une là. Non, non, ça spécificité existe algérienne. partout. Il y a des avocats, il y a des juges, C'est il y des a la procédures. corruption, ça existe dans le monde entier. Mais c'est un appel à chaque personne d'être honnête avec soi-même, d'être propre. Et pour notre sœur. Pour notre sœur, qu'elle évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle invoque, qu'elle essaye de se rapprocher de lui pour apaiser en quelque sorte sa souffrance. Et ce n'est qu'avec cet approchement d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous allez dépasser et surpasser cette situation-là, qui est bien sûr pénible. Et avec les quelques minutes, lorsqu'on vous a entendu, on a été ému. Alors là, vous qui vivez cette situation-là chaque jour, et ces refoulements peut-être de souvenirs, etc. Je peux pas, comment traduire. Je sais pas comment traduire ce mot-là. C'est-à-dire épargner vos filles chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme une épargne. C'est comme si vous avez La fait. compensation d'Allah, Et Inch'Allah. voilà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous lave, vous apaise et vous donne de la Inch'Allah. force pour continuer à vivre pour les autres aussi, parce que vous avez d'autres enfants qui en ont besoin. Parfois, il y a des parents qui meurent avec la mort de leurs enfants, de quelques-uns de leurs enfants, peut-être pour un fils. Et qui oublie en quelque sorte qu'il y a les autres qui attendent. Voilà. Il faut pas mourir avec vos filles. Il faut vivre après. Continuer à Il vivre. faut continuer à vivre au moins pour les autres, parce qu'ils Inch'Allah. sont toujours là. Ils ont besoin de votre protection, vos conseils, votre amour. Voilà. C'est ce que je peux dire. Inch'Allah. ربي صبرك إن شاء الله. Oui, nous allons vers une toute petite transition. Restez avec nous, mesdames et messieurs. الكبير الحفيظ المغيث
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Jolie, nous revenons. En attendant notre appel, que ma mère a des problèmes avec sa bru, la conjointe de mon frère. Mon frère et sa conjointe n'ont pas d'enfant depuis 9 ans de mariage. Ma mère doute de la bru, qu'elle reste juste pour profiter de l'argent de mon frère pour s'établir du moment qu'elle n'a pas d'enfant. D'après mon frère, C'est lui qui n'est pas capable d'enfanter. Ma mère n'admet pas ça. Il insiste que c'est la femme qui est stérile. Mais ça, on peut le connaître quand même. Oui. Le quotidien est que ma mère n'arrête pas de l'accuser pour de vol de ces choses pour la conjointe. La conjointe réagit méchamment. Avec le temps, bien sûr, ça devient insupportable. C'est l'effet de la goutte d'eau. Oh non. Dites-moi comment agir pour les aider. Moi qui vis ici au Canada, donc je ne peux pas être présent tout le temps pour les réconcilier. Merci pour tout conseil. Voilà, c'est à votre frère de résoudre ce problème-là, d'essayer de mettre en quelque sorte une certaine séparation entre ce qui est demandé de faire à sa mère et ce qui est de ses droits aussi envers sa conjointe, envers sa femme. L'une, bien sûr, on est invité à lui faire de la bienfaisance et l'autre, elle est sous sa charge, sous sa protection, elle est son épouse, voilà. Alors, il doit faire en quelque sorte un certain compromis. On va dire, par rapport à sa mère et par rapport aussi à sa femme, et essayer de vivre séparément les deux situations. Essayer de protéger, bien sûr, son épouse, à essayer de protéger son épouse,
اتقوا الله في النساء كما دي البروفيت صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير c'est-à-dire on est demandé on est invité à protéger toujours nos conjointes de toutes choses peut-être qui peuvent nuire à la stabilité de notre foyer du moment que ce fils-là votre frère est à l'aise avec sa femme et puis il annonce que c'est lui qui ne peut pas enfanter qu'on le laisse tranquille pour vivre je sais pas pour vivre l'amour avec sa conjointe là il n'y a pas que les enfants qui lient de un couple il y a beaucoup de choses mais d'autres même, choses docteur, qui sont considérables ce qui est insensé docteur Dr. s'il vous plaît avec l'avancée de la science et la médecine de reste de reste de continuer à que c'est elle qui voilà mais du moment qu'il que on peut le savoir le fils a avoué qu'il est c'est lui le problème le problème se situe en lui ce n'est pas par rapport à sa femme et même si aussi c'est sa femme qui est stérile et il a choisi de vivre ainsi c'est son choix aussi subhanallah il y a quelqu'un qui aime peut-être sa femme malgré qu'elle peut pas enfanter il peut pas se remarier par amour à elle laissez-le tranquille laissez-le tranquille docteur voilà, nous avons un appel à sa mère de comprendre ça là, il faut bien qu'elle sûr, comprenne il faut qu'elle comprenne ça et il faut qu'elle comprenne ça et nous avons au bout du fil c'est monsieur l'Habib de Paris allô allô oui Oui, monsieur le Habib, مرحبا. Oui, salam alaykoum. Salam wa rahmatullah. Voulez bred voilà. Quand on صلي في المغرب؟ Oui. Quand on صلي في المغرب؟ On صليت بالجهر الصور الاولى، الصور الثانيه وفي الركعه الثانيه قعدت نصلي بالخفيه هكذاك من بعد فكرت باللي اللي قلنا نصلي بالجهر. Alors حبست وعاودت وليت كاع اونغيغ وعاودت كاع اللي خرج من الصلاه لا 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 الى روبري لا 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 ليكتور لا ليكتور الى روبري وانا ما حبش الصلاه ماشي الصلاه اللي حبست عاودت لا ليكتور تاع القران لا القراءه ما حبش الصلاه غير عاودت بالفاتحه بالقراءه من بعد وي 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 فوالا هذه هي اكزاكت عاودت لا ليكتور Ouais, voilà. Et la question, est-ce que cela est valable ou pas, valide ou pas voilà, voilà. Oui, votre prière est valide, alhamdoulilah. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous avez raté quelque chose de recommandé, on va dire. Et puis, vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle sujoud sahwi. Ba'd salam. بعد السلام et c'est valable jusqu'à aujourd'hui jusqu'à demain jusqu'à l'année prochaine voilà juste au moment où vous avez les ablutions vous vous mettez en direction de la qibla vous faites le takbir et vous faites deux prosternations directement et après vous faites un tashahhud si vous voulez bien sûr parce que c'est aussi sujet de divergences entre les avis, voilà. Vous faites le tashahhud et vous refaites le salam. C'est pour, en quelque sorte, c'est pas pour rattraper, mais quand même pour coudre un petit peu ce qui a été déchiré dans votre prière, qui est toujours valide. Hein. Elle est valide. Elle restera toujours valide. Voilà. Ce qu'on appelle terqi' al-salat, déjà, terqi' coudre, comme ça. Sejdatayn, c'est pas rak'atayn, sejdatayn, deux prosternations. Il a fallu dire ba'd al-salam. Voilà. Tu m'as dit ba'd al-salam, il prend le dhimma ta'ak, dire sejdatayn hadouma. Voilà, très bien. C'est tout. Oui. Docteur, une question, ça y est. Oui. Très bien. Je suis déclaré séropositif depuis 2012 et je suis sous thérapie. Je n'ai pas pu le dire à mon épouse. Ah non, c'est grave. Depuis, il n'y a plus de rapport entre nous. Suis-je condamnable sur le plan suis-je suis-je condamnable sur le plan déjà, c'est une maladie qui est transmissible.
Il n'a pas de rapport, bien sûr. Non, non, mais qui est transmissible même par peut-être d'autres voies. Oui. Voilà. Alors, il faut avoir la conscience de protéger autrui. Et le courage. Et le courage, bien sûr. De protéger autrui par le fait au moins de les informer. Il faut s'assumer. Allah subhanahu wa ta'ala vous a écrit de subir cela. Par faute ou par erreur, ou Allah, même pas par faute ou erreur, on est personne on est toujours... n'a pu choisir l'épreuve. Voilà. Là, vous êtes sous une épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous prête bien sûr courage à continuer, mais il faut informer votre entourage, au moins, bien sûr, votre conjointe, proche, votre épouse, parce que il y a des darois et des. Elle des peut devoirs. Lui porter aide. Elle peut lui porter bien sûr aide, qu'elle peut lui porter aide. Et puis, à côté de vous. Et puis, même s'il y a une bonne compréhension entre vous, c'est-à-dire, ça va résoudre beaucoup de problèmes très par bien. Rapport à vos rapports de couple. Quotidien. Voilà. Dans votre quotidien. Dans votre quotidien. Et puis, il y a beaucoup de moyens pour continuer à vivre dans le couple, même en étant malade de cette maladie ou autre maladie. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui, alhamdoulilah. Et essayer en quelque sorte d'épargner cette épouse-là de cette souffrance peut-être qu'elle vit sans comprendre pourquoi. Depuis 2012, il y a 7 ans maintenant qui se sont écoulés. Peut-être qu'elle se pose beaucoup de questions, pourquoi il n'y a plus de vie conjugale, charnelle, etc., entre nous, etc. C'est son droit de savoir les causes, de connaître les causes, le pourquoi peut-être nous tue parfois, cette question qui nous tourmente. Et puis, il a urifé le sebeb, batoul l'ajeb. Essayez de résoudre cela par la discussion, par une petite réunion de famille, même entre vous, tête à tête, et d'expliquer cela. Et vous avez tout le droit de continuer à vivre le bonheur, Inch'Allah, au sein de votre couple. Mais soyez seulement courageux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous prête aide. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Dr. Jouhri. Salam alaikum. Oui. Puisqu'avec un E de féminin, ouais. Je suis reconverti. Alhamdoulilah. Ma famille est chrétienne. Ma mère a 92 ans. Elle vit encore, et Inch'Allah qu'elle vivra encore plus longtemps. Mais, sa question, quand elle décédera, si je serai parmi les vivants, Inch'Allah, puis-je assister à ses obsèques qui, bien sûr, se passeront à l'église, barakallahu fikoum. Pourquoi pas? Pourquoi vous n'allez pas assister à ces obsèques? Pourquoi? Qu'est-ce qui va vous interdire cela? Vous devez y assister. Mais vous devez y assister. Vous êtes toujours sa fille. Même dans l'église. Quand la mère de Asma, des filles d'Abu Bakr Siddiq, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu auprès d'elle. Et Asma était musulmane, sa mère était encore mécréante. Elle avait ce questionnement-là dans sa tête. Elle s'est précipitée d'aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander est-ce que je vais l'accepter ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Ya Asma, sili ummaki »« O Asma, faites de la bienfaisance » et essayez de garder toujours sili observer la relation, d'observer la relation parentale avec votre mère. Alors, on observe ces relations parentales avec ses proches, avec ses parents, même qu'ils sont d'une religion différente. Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut pas, on peut pas leur obéir dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ جَهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. S'il persiste à vous induire dans le Docteur Jouhri, si vous voulez, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا, ça comprend d'assister le... Voilà. C'est-à-dire, si nos parents insistent à nous remettre dans la mécréance, on va dire,
Hein? Là. Là, on ne leur obéit pas. Mais, ça nous tout en restant tout en restant toujours bienfaisant. Envers eux. En restant amis. Très bien. Voilà, sahib huma, ça veut dire ami. Ça veut dire garder les liens d'amitié envers vous, envers vos parents. Et bien sûr, les accompagner. Parmi ces darois, il faut que vous l'accompagniez, Inch'Allah, pendant ces obsèques-là, même que ce soit dans une église. Vous ne faites pas juste les rites, bien sûr, mais accompagnez votre mère. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne va pas mourir avant d'embrasser l'islam aussi, elle aussi, Inch'Allah. D'accord, maintenant, donc, docteur Jouri, une question. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mot de fin, donc on va la laisser la prochaine fois, la semaine prochaine, maintenant donc l'email. Docteur Jouri, merci pour votre éclairage, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc on fait ayatillahi wa hifdeh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.